Le grand Sirocco est tombé. Igwe Okaka, le lion en personne. Pourquoi nous as-tu quittés sans dire au revoir? Le village de Mwema ne sera plus jamais le même à nouveau. Pas du tout. C'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup de peine à croire que notre roi n'est plus... C'est pourtant vrai. Ce qu'il nous reste à faire, c'est lui donner un enterrement digne de ce nom pour lui rendre un dernier hommage. Nos coutumes et nos traditions demandent que nous l'enterrions les deux prochaines semaines. Maman! Mon fils! Mon fils! Maman! Bonne arrivée, mon merci, fils! Bonne merci, arrivée. Merci! Tu as fait un bon voyage? Maman, j'ai très bien voyagé. Hein? Comment vont ceux de la ville? Tu connais la ville, hein? Tout va toujours à merveille, hein? Oui! Maman, mais tu es belle. Je suis belle. Comment avoir un enfant comme toi et ne pas être belle? Ah, maman, les flatteries, toi. Mon frère. Je vais bien, non? Ah, ok, ok. Non. Hein. Ok. Merci. Au merci, revoir. Merci. Hey. Maman, laisse-moi prendre mes affaires. Hein. Ah. Maman. Je vais bien. Je vais bien. Comment pourrais-je avoir un fils comme toi et ne pas aller bien? Maman, les flatteries, toi, hein? Non, mais t'es pas incroyable. J'espère que tu te régales. Maman, cette sauce, hein? On dirait que tu savais que je venais. Alors, je disais que c'est comme ça qu'on a perdu notre roi. Notre roi, son est bel et bien allé. Que c'est triste. Maman, j'ignore comment va réagir mon ami. Tu sais à quel point il aimait son père. Bien sûr, tout le monde l'aimait. Tout le monde. En parlant de ton ami, quand était la dernière fois que tu as parlé avec lui? Maman, ça fait longtemps. Hein? Non, ça. Ça fait longtemps. Mais pourquoi non? J'ai cru que vous étiez des meilleurs amis. Maman, c'est le cas. Mais comme je te l'ai dit, j'ai perdu son numéro. C'est ça. Mais je suis certain qu'il viendra au funérailles de son père. D'accord. Mais quoi, maman? Maman!
Puisque tu es rentré, Sangamarashi, ta fiancée. J'espère maman, que tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Elle n'est pas là, maman. Elle est allée à bas voir son oncle. D'accord. Elle va bientôt rentrer. D'accord. Alors, je peux manger maintenant? Allez, tu peux. Tu peux. Tu as dit que tu venais pour une raison. Alors, qu'est-ce que c'est? Maman, j'aimerais lancer mon projet dans ce village. J'ai bien entendu. Tu aimerais lancer ton projet dans ce village? Maman, au moins, tu verras les efforts de ton fils. Bien sûr, je sais que tu fais des efforts. Je le sais, ça. Ah, c'est bien, c'est très bien. Au moins, je mange pas ton repas pour rien. Bien sûr que non. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai appris ce qui s'est passé et je suis venu aussi vite que j'ai pu. Obina, alors papa n'est plus. Dis-moi, s'il te plaît. Vous voulez dire que je ne reverrai plus jamais mon père? C'est si soudain, je ne peux pas, j'aurais dû rentrer. J'aurais dû être ici. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Tinonso. Maman. Où est-ce que tu vas? Maman, je vais au palais voir Ikena. Oh, il est de retour. Oui. D'accord. Ewa, passe-lui mes condoléances. Et la reine aussi. Compris, maman. À tout à l'heure. Ok, maman. Au revoir. Mon pote! Hey, mec! Regarde-toi, mec. C'est comment? Cool, mec. Mec! Alors, quoi de neuf? Frère, ça fait des lustres. Regarde-toi. Regarde-toi, mec. T'es tout fringué, mon pote. C'est comment, mon vieux? Mais mon frangin, je vais bien. Ton pote est là, mais regarde-toi, mec. Tu es tout beau, mec. Tu es aussi tout beau. Voyons, c'est toi l'Européen, mec. C'est toi l'Européen. Hein. Ah bon? Mec, allez, dis, hein. Comment ça va? Je vais bien. Ah, mec. Toutes mes condoléances pour la perte, frère. C'est bon, mec. Dieu sait le pourquoi. Enfin, je crois. Vraiment? Ça va. Maman! Ah, maman est là. Bien sûr. Tu es sérieux? Hé, appelle-la. Maman, viens voir qui est là. Hey! Frère Ikeda. Oui, maman. Oh mon Dieu, pour d'arriver. Je suis rentré. Comment vas-tu? Ah, mon fils m'a dit qu'il venait au palais. Ah, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Alors, maman, qu'est-ce qu'il y a? Dieu merci. Dieu merci. Malgré ce qu'on vit actuellement. C'est vrai. D'accord. Nous sommes tous concernés. Ton père est un homme bien. C'est un grand homme. Il était si pacifique. Il a apporté la paix dans son royaume. Nous ne l'oublierons jamais. Ça, jamais. Dieu sait ce qui est bon. Alors, que puis-je t'offrir? Maman des mamans! Maman, c'est un Européen, il ne mange pas tous ces trucs. Hein. C'est pas vrai. J'ai ce qu'il peut non, manger. Non, maman, je n'en doute pas. J'espère que tu t'occupes Voyons, bien. Tu le sais bien. Allons. Allons à l'intérieur, maman. J'ai beaucoup à te dire.
Prince Obina. Merci pour la cola. Dieu merci. Je suis là pour vous. J'espère que vous vous préparez pour le trône. Oh. Onowu, on vient d'enterrer mon père. Et vous espérez que je me prépare pour le trône? Oui, vous devriez. Selon notre tradition, une fois que le roi est mis en terre, le fils aîné doit, un mois après, monter sur le trône et avec sa femme, comme la reine. Mais si le fils aîné n'a pas de femme, cela prouverait son incapacité à diriger le royaume d'un moment. Alors son frère cadet, s'il a une femme, sera couronné roi du royaume. Non, non, Onowu, c'est ridicule. C'est ainsi qu'a toujours été notre tradition depuis le temps de nos ancêtres. Donc, si vous voulez vraiment devenir le roi de ce grand royaume, vous devez vous trouver une femme d'ici un mois. Make nengwa ngwa emera no dati. Maintenant que mon père a été enterré, je dois bientôt retourner. Ah ah, si tôt? Ouais. J'ai vraiment beaucoup de trucs à faire à Londres, tu comprends, alors... Ah, étonnant. Si c'est le cas, je pense que tu devrais me donner ton numéro. Oh, avant que mon ennemi tue vraiment cette femme. Cette femme. Tu as mon numéro de l'étranger, n'est-ce pas? Non, 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 non. Donne-moi celui-là aussi. Ok, attends que je le fasse. C'est ça, tu veux qu'elle me fasse la peau, n'est-ce pas? Non, 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 non. Qu'est-ce que le Nohu a dit? Eh bien, il a dit que je dois trouver une femme en l'espace d'un mois. Avant de me couronner roi, sinon, je peux oublier le trône en faveur de mon frère s'il en a une. Il a raison. Oh. Eh bien, maman, que suis-je censé faire en un mois? Comment vais-je trouver une épouse en l'espace d'une semaine? Je veux dire, nous savons tous les deux que j'ai très bon goût en matière femme. Fiston, j'ai l'impression que tu sembles oublier quelque chose ici. Et qu'est-ce? T'es un prince couronné. Et n'importe quelle femme de ce royaume serait heureuse d'être ta femme. Eh bien... Oui, c'est vrai. Mais que suis-je censé faire? Voyons, fiston, pourquoi ne pas organiser une compétition de danse et choisir la meilleure parmi les demoiselles? Choisis la meilleure parmi les demoiselles et automatiquement tu auras trouvé une épouse. Quoi? Qu'en penses-tu? Maman, tu sais que t'es un génie, n'est-ce pas? Je veux dire, comment n'y ai-je pas pensé? Waouh! Chef Nedou? Oh non! Merci pour la cola. Mais que nous vaut l'honneur de cette réunion? Onowu. Oui? Mes chers confrères, du royaume d'un Monwa, je vous ai fait venir ici pour qu'ensemble puissions trouver des moyens et des solutions face à un danger imminent qui est sur le point d'arriver. Vous êtes tous au courant de ma modeste contribution pour le développement de notre grand royaume. Notre roi nous a quittés. Et ce dont notre royaume a besoin maintenant, c'est un homme noble tel que moi pour être couronné comme le prochain roi. Eh bien, mes chers aînés, nous avons une tradition. Et cette tradition dit que seul le prince au trône doit être couronné roi après que le roi soit mort. Dans ce cas, le défunt roi a deux fils et nous devons mettre au trône le prince couronné pour nous représenter et nous diriger. Je dois avouer que chef Nedou a contribué grandement à l'émergence et au développement de ce royaume. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais ça ne te donne pas le droit d'être couronné comme nouveau roi, peu importe ce que tu as fait pour ce royaume. Allez, ferme ta bouche.
J'ai dit la ferme. Mais qu'est-ce qui a invité cet homme à cette réunion? C'est toi. Un simple cueilleur de vin? N'oublie surtout pas que lorsque tu es venu me voir pour ce vin, tu m'as supplié de prendre part. Alors qu'est-ce que tu racontes là maintenant? N'importe quoi. Honoru, comme je le disais, avant d'être grossièrement interrompu, notre fin roi, le roi Okaka, a laissé deux fils. Et comme nous le savons tous, manque d'expérience pour gouverner ce royaume. Que savait-il du leadership, de la culture et de la tradition de ce royaume? N'ont-ils pas passé la majeure partie de leur vie à l'étranger pour étudier? Notre royaume a besoin d'un homme dynamique, courageux, d'un homme noble comme moi, pour que nos ennemis tremblent face à nous. Imaginez un peu ce qui arrivera si jamais ces garçons inexpérimentés sont couronnés en tant que roi de ce grand royaume. Alors nous perdrons notre gloire. Tiff Nedo a raison. Oh, ferme-la. Ferme-la si tu n'as rien à dire. T'es malade? Le malade ici, c'est toi. Vas-tu t'asseoir? C'est ta génération et celle de tes enfants qui est malade. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi? Regarde cette mouche qui se prend pour un oiseau. Moi, chef Anayo, oui. Mouche. Je vous prie d'arrêter, s'il vous plaît. Que la paix règne. Chief Nedo. Honoru. Nous t'avons entendu. Nous savons tous combien tu as contribué au développement de cette communauté. Notre tradition dit ceci. Lorsqu'un roi meurt, un mois après l'enterrement, le prince héritier et sa femme doivent être couronnés. Si le prince héritier n'a pas encore de femme, et que son petit frère en a une, le petit frère sera couronné comme Igwe. Voilà. C'est ça notre tradition, et tu le sais autant que moi. Nous ne pouvons pas la changer maintenant. Mais dans le cas où le prince héritier et son petit frère n'ont pas du tout de femme, alors nous allons trouver quelqu'un qui est capable de diriger ce royaume. Il doit simplement attendre son tour. Mais pour l'instant, Akamakolia, Okumbororum, Akamborum. Naï, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, c'est ce charlatan-là qui se fait appeler chef Nedo. Il m'a copieusement donné l'injure de ma vie, aujourd'hui. Pour quelle raison, au juste? Il veut saboter le trône. Pourquoi? Selon lui, il mérite bien sûr le trône. Quoi? Il dit qu'il a énormément contribué pour le développement de ce royaume. Par ricochet, on devrait le couronner roi. Et lorsque j'ai osé donner mon point de vue, je lui ai dit que ce n'est vraiment pas juste. Car notre défunt roi a laissé deux fils. Oui. Par conséquent, c'est de là que doit sortir le prochain roi. Voilà, c'est tout. Il a commencé à m'insulter. En disant toutes sortes de choses. Et qu'en passant, qui m'avait invité à cette réunion? Que je n'étais surtout pas censé prendre part à cette réunion. Parce que je suis un pauvre vigneron, cueilleur de vin blanc. Il t'a dit ça? Puisque je te le dis, tu aurais vraiment dû voir celui qui soutenait sans rechigner tous ses propos. Ce n'est pas de sa faute. C'est son feu frère aîné qui était vraiment mon égal. Naï, c'est ok. C'est ok. Nedo a osé me traiter de pauvre vigneron. Mais je sais très bien qu'un jour viendra où mon Dieu se souviendra de moi. Il fait... Je le sais très bien. Il fait Idi Koligale. Oh. J'en suis sûr. Naï, allons dedans. J'étais préparée au pas. Hein? Allons dedans. Mon corps en a vraiment besoin. Où est-ce qu'elle est, Adama? Elle est allée voir Amaka. Ok. Après, je reviendrai finir ça. Je dois mettre nos coconuts entiers. Nos coconuts, quoi. Ok, pour la saison qui arrive.
Salut, mon frère. Salut, mon frère. Quoi de neuf? Comment tu vas? Pas mal. Alors, comment est-ce que tu gères les aînés et le trône? Sincèrement, c'est très stressant. Au moment où nous en sommes, je suis très fatigué. Tu sais, je dois assister aux réunions pratiquement chaque jour. Et le plus important encore, c'est que je dois trouver une femme avant le... décédé au trône. Ouais, le Seigneur fait ta force, mon frère. Pour ma part, je ne suis pas trop dans ces trucs de la royauté royale, tu vois. C'est trop stressant. En tout cas, as-tu trouvé une épouse? C'est ça le truc, en fait. Mais, maman a fait une suggestion. Ah, ok. Laquelle? Elle m'a demandé d'organiser une compétition de danse parmi les filles. Ouais, de la sorte, je pourrais choisir mon épouse. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée quand on y réfléchit. Ça concerne toutes les filles? Ouais, bien sûr. Cool, cool, cool. Ça pourrait marcher. Ouais. Ikena. Qu'en est-il de toi? Quels sont tes projets? Je ne sais pas vraiment. Tu me connais, le Nigeria n'a jamais été mon truc. Je ne sais pas, j'ai pensé à retourner à Londres la semaine prochaine. Alors, mon frère, si tu veux mon avis, tu sais, je pense que tu devrais rester ici. Non, 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 ça ne marchera pas. Je dois rentrer. Je pense que je devrais... Je pense que je dois rentrer. Ces histoires de trône et de roi et tout le reste, je ne veux surtout pas écouter ça, je dois rentrer. D'accord. À fin de compte, la décision te revient. Eh ben, c'est comme tu veux. Mais as-tu parlé à un moment de tout ça? Non, mais je le lui dirai ce soir. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu bois? Non, pas pour quoi? Toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Trop fort, n'est-ce pas? Que diable c'est que ça? C'est bien dit, t'es conseillé bon, au moins bon. De... Salut, maman. Mon fils. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, et toi? Je vais bien, ça va. J'aimerais te parler de quelque chose. Ok, d'accord. Voici le truc. Je vais retourner à Londres dès la semaine prochaine. Que viens-tu de dire? J'ai dit que je rentrais à Londres. Ah, vas-tu la fermer? Tu n'iras nulle part. Pourquoi, maman? Parce que tu dois rester ici, aider ton frère. Tu dois l'aider à diriger ce royaume. Mais maman, il a son cabinet, les membres du bureau et son personnel. Je sais qu'il a tout un personnel, mais jusque-là, tu dois rester pour ton frère. En fait, c'était le souhait de ton père que tu rentres à la maison. Tu sais que je n'aime pas cet endroit, maman. Je sais, fiston. Oh, voyons. Fiston, il est temps que tu t'habitues à cet endroit. Sais-tu pourquoi tu dois le faire? C'est le chez-toi. Je sais, mais... Oh, voyons, fiston. Tu ne peux pas aller sur une nouvelle terre chercher du confort. Ici, c'est chez-toi. Apprends à rester là. Allez, reste à la maison pour ta maman. Ok, ok, c'est bon. Comment vais-je refuser lorsque tu te comportes ainsi? Merci. Ma mère ne veut pas me laisser partir. Elle voudrait que je reste pour aider mon frère avec le trône et le business et tout ça. Elle m'a aussi dit que le dernier souhait de mon père était que je rentre à la maison. Mais c'est la meilleure chose à faire, mec. D'ailleurs, le village n'est pas si mal. Et si tous les jeunes décidaient de partir du village, qui resterait ici, mec? Regardez qui parle, comme si tu vivais au village. Voyons, mec, mais voyons, je ne suis pas si loin. Je ne suis qu'ici à Port Arthur. Je pars et je reviens de temps en temps. Je suis certain que si ce n'était pas la mort de ton père, tu n'aurais pas mis ton nez dans ce village. Mais voyons, mais tu sais que dis-moi, c'est faux. Quelle était la dernière fois que tu t'es pointé dans ce village? Attends, je crois que c'était il y a... J'oublie un peu. Quoi? Tu vois, tu ne t'en souviens même pas. Je suis sûr que ça fait plus de 10 ans. Ah, non, so. Ouais. Pas jusqu'à 10 ans. Mais non, ça fait environ 8 à 9 ans, je Et crois. Quelle est la différence? 9 ans, quelle est la différence? Il y a une différence. Écoute, je suis certain que si ce n'était pas la mort de ton père, on ne t'aurait jamais vu dans ce village. Ou même s'il arrivait que tu viennes, tu serais venu après 25 ans. Qu'est-ce qui t'amuse? Tu sais que je dis la vérité. Tu n'es pas sérieux. Ouais. Pourquoi resterais-je loin de chez moi pendant 25 ans? Tu nous l'as prouvé. Voyons, voyons. Tu sais, il ne se passe rien ici. Tu dois sortir, prendre des trucs et revenir.
C'est pas comme si on distribuait du fric au village. Tu restais dans ton propre village, mais voyons. Franchement, il n'y a rien d'intéressant ici. Salut, maman. Fiston, pourquoi es-tu vêtu de la sorte? Pourquoi ne portes-tu pas tes vêtements royaux? Maman, j'aimerais juste prendre de l'air autour du royaume. Et pour les vêtements, tu sais bien que ce n'est pas mon truc. Fiston, tu es un prince. Et il est grand temps que tu commences à te comporter comme tel. Ok? D'accord, c'est bon, c'est compris. Je peux y aller maintenant? Oui, tu peux. Ok, t'es la meilleure. On se revoit au retour, ok? D'accord, sois prudent. Ok, d'accord, bye. Bye. Bonjour, mon prince. Ouais, et Boubé, comment tu vas? Bien, mon prince. Mon prince, est-ce que vous sortez? Ouais, je sors tout de suite. D'accord, mon prince, je vais chercher la voiture pour vous conduire. Non, ce n'est pas nécessaire. J'aimerais juste faire un tour dans le royaume. Dans ce cas, je dois vous garder. Non, j'aimerais juste être seul. C'est bon, d'accord? Mon prince, vous avez besoin de protection. Me protéger de quoi, exactement? Écoute, je comprends, je sais que tu ne fais que ton job, mais ça va, je t'assure. Je veux marcher un peu, je ne serai pas long, ok? D'accord, mon prince. Ok, mec. Ouais, ouvre le portail, je vais... Mon prince. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne l'as-tu pas escorté? Le prince a insisté d'aller seul. Il dit qu'il n'en a pas pour longtemps. Juste faire des tours dans le royaume. Je l'aime bien. Il est très humble, c'est un homme indulgent. Il ne laisse aucunement son titre lui monter à la tête. Qu'est-ce que tu attends de plus d'un homme qui a vécu à Londres? Un pays des Blancs. Tu sais, le prince n'a absolument aucune idée à propos de nos traditions. Ok, je retourne à mon poste. Ouais, je ferais mieux d'y retourner. D'accord. Merveilleuse.
vraiment désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je dois vous avouer que vous avez une voix d'ange. Merci. Je vous en prie. Alors dites-moi, que fait un aussi bel ange dans cette zone solitaire, toute seule? Je viens ici chaque fois que j'ai envie de chanter ou de parler aux oiseaux. Waouh, c'est trop mignon. Alors, je peux rester avec vous, si ça ne vous dérange pas. Désolée, mes parents doivent être en train de me chercher. Alors, je dois y aller. Je comprends. Elle est tellement parfaite. Putain. Waouh. Ok. Maman? Maman, devine quoi? Devine, allez. Quoi? Tu sais très bien que je suis pas douée pour ça. Ok, d'accord, je vais te le dire. Ok. Maman, j'ai rencontré la plus belle femme du monde aujourd'hui. Vraiment? Je suis sérieux, maman. Maman, tu aurais dû voir cette fille. Elle est... à couper le souffle. Vraiment? Mm-hmm. Alors, quel est le nom de cette... Ouais, en fait, j'ignore. J'ignore encore cette partie, mais ça n'a pas d'importance. Je l'aime beaucoup. Ok, de quelle famille est-ce qu'elle vient? Maman, je ne sais rien de cette fille. Hormis le fait que je l'aime beaucoup. Voyons, fiston, tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un dont tu ne sais rien à propos. Comment? Ça vient de m'arriver, on appelle ça l'amour au premier regard. C'est réel. C'est réel, je t'assure. Tu ne peux pas être sérieux. C'est pas une blague avec cette fille, je l'aime vraiment. Je vois que cette femme te fait chavirer. Tu n'as vraiment pas idée. Elle est la raison pour laquelle j'accepterai de rester dans ce royaume. J'ai hâte de faire d'elle mon épouse. Ton épouse? Ouais. Maman, je ne rigole pas, ce garçon est amoureux. Maman? Je peux le voir. Je te ramènerai une épouse très bientôt. Sois Crois-moi. Prudent. D'accord, d'accord. Oh. Ah ça? Pourquoi tu me regardes comme ça, non? Hein? Donc, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ça. Salut. 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 Hey, mec. Bonjour, mec. Ikena. T'es là, mec? Ouais. Tu m'as l'air de quelqu'un qui a gagné au loto. Tu peux le dire, mon frère. Comment tu sais que j'étais ici? Ta mère m'a dit où te trouver. En passant, je te présente ma fiancée. Hein? Amarachi. Oh, enchanté. Ouais. Amarachi. Ouais. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi, Prince Ikena. Nonso m'a tellement parlé de toi. Oh, vraiment? Oui, bien J'espère sûr. Être en sécurité, je n'ai pas confiance en lui. Crois-moi, tu n'as rien à craindre. Ok. Bon, oui. allez, dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Nonso, j'ai rencontré un ange. Je le savais. À l'instant où j'ai vu ce regard, j'ai su qu'il s'agissait d'une femme. Alors, qui est-ce? En fait, ça, actuellement, je ne sais pas. Où est-ce que tu l'as vu? Dans la forêt. Je prenais des photos et je l'ai vue, elle chantait quelque part et puis... Hey. Qu'est-ce qui t'amuse? Oui. Mon pote a vu Mami Wata. Non, je suis... Non. Voyons. Oh, elle était juste quelque part dans la forêt en train de chanter. C'était féerique. Mais mec, tu ris de quoi? C'est une sorcière que tu as vue. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Mm-hmm. Ouais. Mon pote. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. T'as besoin de mon aide pour retrouver une sorcière? Mais Nonso, arrête. Je suis sérieux. Cesse de faire cette blague. Écoute, tu connais ce village mieux que moi. Non, je ne connais pas ce village. Mais Nonso, voyons. Non, je ne... Je suis non. sérieux. Ne fais pas attention à lui, d'accord? Juste, décris-la moi. Et je verrai ce que je peux faire. Sérieux? Oui. Bébé, pourquoi l'encourages-tu? Que veux-tu que je fasse? T'es un amour. Ok, voilà. Oui. Elle est brune. Mm-hmm. Genre vraiment très brune. Mm-hmm. Une taille moyenne, tu vois. Salut. Salut. Je m'appelle Ikena. M'espionnez-vous? Laissez-moi d'abord vous aider avec ça. J'aimerais vous parler. Ok. En fait, je ne vous espionnais pas. C'est une pure coïncidence de vous retrouver ici.
Vous savez que c'est un mensonge. Ce n'est pas une simple coïncidence. Dites-moi, que voulez-vous? Ok, d'accord. J'aimerais vraiment être votre ami. Ma mère a dit qu'un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oh, wow. Elle a tout à fait raison par rapport à ça. Elle doit être une femme très sage. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de mauvaises intentions. En fait, j'aimerais voir ta mère. Pourquoi faire? Afin de lui dire que je vais être ton ami et que je suis inoffensif. Ok. Allons-y. Ok. Wow, non. Tu n'as pas... Ce n'est pas correct pour un gentleman de laisser une femme porter un truc lourd. Je vais le faire, ok? Oui. Maman? Bonjour, maman. Nam. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Merci. Attention, doucement. Mm-hmm. Je vais bien, maman. Merci. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ikena. Je suis de ce village. Oui, maman. C'est pas vrai. Qui est-ce que nous avons, nous, là? Bonjour, monsieur. Bonjour, prince Ikena. Que nous vaut l'honneur de votre visite? En fait, je suis venu voir votre fille. Dans ce cas, permettez-moi de vous apporter ce bon vin de palme que j'ai personnellement recueilli. D'accord, monsieur, ce serait un plaisir. J'arrive. S'il te plaît, je peux te voir une minute? Bien sûr. Excusez-moi une minute. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es un prince? Voyons, je n'ai pas trouvé ça important. Oh, vraiment? Oui. Écoute, sais-tu dans quel pétrin tu m'aurais mis si quelqu'un t'avait fumé des avec mon bidon d'eau? Voyons, Adama, ce n'est pas aussi sérieux. Je suis sûre que ça l'est. Écoute, dans ce royaume, nous avons beaucoup de respect pour la royauté. Ok. Je suis désolé. J'imagine que je ne sais pas grand-chose en ce qui concerne la tradition, la norme et tout ça, vu que j'ai passé toute ma vie à Londres. Je suis vraiment désolé, aussi que je ne suis pas l'héritier au trône. Parfois, j'oublie même que je suis un prince. Je suis désolé. Dieu merci, personne ne nous a vus. Je promets qu'il ne t'arrivera rien. Tu as ma parole. Alors, j'aimerais t'inviter au palais demain. Ne dis pas non, s'il te plaît. Ne dis pas non. Seulement si mes parents donnent leur consentement. Ok, dans ce cas, je vais leur parler. Ok. D'accord. Waouh. Je dois l'avouer, c'est vraiment le meilleur vin de palme. Il est vraiment bon. C'est bon de vous entendre dire ça. Parce que, croyez-moi, lorsqu'il s'agit bien entendu de... vin de palme, je suis bien évidemment le meilleur dans ce royaume. Je n'en doute pas. Je peux le témoigner. C'est vraiment délicieux. Monsieur, j'espère que... ça ne vous dérange pas que je sois l'ami de votre fille. Honnêtement, je vis en paix. Eh bien, si c'est bel et bien le cas, et si vous avez bien sûr de bonnes intentions, oui, vous pouvez l'avoir comme ami. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Et autre chose, peut-elle venir au palais demain? Bien sûr que oui. Merci, monsieur. J'apprécie beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est pour moi. Est-ce que vous aimez? Oui, je l'adore. Entrez. Prenez place. Je vais appeler le prince Ikena. Sentez-vous à l'aise. Entrez. Bonjour, mon prince. Ouais, comment tu vas? Très bien, mon prince. Y
bien une femme qui demande après vous. Oh, ça doit être Adama. Ok, mettez-la à l'aise, d'accord? Ok. Je vais prendre un bain et puis je descends. D'accord, mon prince. Ouais. Je vais faire comme vous avez dit. Kenna m'a demandé de vous apporter une boisson. Il sera là dans un instant. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Oh. C'est la femme parfaite dont je cherchais. Elle est tellement belle. Elle fera une bonne reine à mes côtés. Je vous salue, mon prince. Salut, jolie demoiselle. Comment vas-tu? Je vais bien. S'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène au palais? Je suis venue voir le prince Ikenna. Ah, oh, le prince Ikenna. Quelle est ta relation avec le prince Ikenna? C'est mon ami. Oh, juste un ami? Vous êtes juste des amis? Oui. C'est bon à savoir. Alors, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Adam. Adam. Tu es vraiment Adam. Es-tu de ce royaume? Oui, je le suis. C'est qui ton père? Mon père, c'est Mazinduka, le fameux cueilleur de vin. Mazinduka, tu sais, je pense que ton père a le meilleur vin de palme. C'est ce que disent les gens. Mais pour moi, je trouve tous les vins de palme bons. Non, je ne suis pas d'accord. Je te garantis que celui de ton père est le meilleur que j'ai jamais goûté de toute ma vie. Merci. Adam. Tu sais, j'ai été observé là pendant un bon moment. Et je sais que tu seras la reine parfaite pour moi. Que viens-tu de dire? Oh, petit frère, comment tu vas? Donc je parlais à ton ami et je lui disais qu'elle ferait une très bonne reine. Une reine? Obina, tu as perdu la tête? C'est quoi cette question absurde? Comment peux-tu demander en mariage une personne que je ramène à la maison? Tu ferais mieux te calmer, je lui ai demandé, elle m'a dit que vous n'avez rien en commun. Épargne-moi de ces bêtises. Hmm? Tu n'es pas un gamin. Tu sais que ce ne sont que des petits pas avant d'avouer tes sentiments. De quoi parles-tu? Oh, des petits pas. Pas étonnant que tu sois encore un gamin, parce que si t'étais un adulte, tu aurais eu plus de grands. Mais tu ne l'as pas fait, moi, si t'es là à me raconter tes conneries, t'as perdu la tête. Ça te donnerait vraiment une leçon, ok? Si tu veux quelque chose, fonce immédiatement. Le retard est très dangereux. Arrête de faire l'idiot. Qui est ta femme? Hmm? Comment oses-tu traiter l'héritier du trône d'Omoma? T'as perdu la tête? Tu délires? L'héritier au trône? Écoute, je m'en fous de qui tu es. Reste juste quelqu'un loin. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout ce bruit? Longue vie à la reine. Sois honoré. Assieds-toi. Maman? Oui? Voici la femme dont je t'ai parlé. Vraiment? Elle est vraiment très belle. J'ignore ce qu'elle t'a dit, mère. Mais dorénavant, cette femme que voici est à moi. Je viens de lui faire la demande. Tu vois ce que je disais? S'il te plaît, dis à Obina d'arrêter de l'appeler sa femme. Je viens juste de la ramener. Ils ne se connaissent même pas. De quoi est-ce qu'il parle? As-tu perdu la tête, petit frère? Je viens de demander la main de cette fille, je veux dire, tu peux la tester. Je te préviens, tu ferais mieux de rester loin de ma femme, Obina. Écoute, en tant que l'héritier du royaume d'Omoma, j'ai le droit de décider, de choisir n'importe quelle femme à faire d'elle ma reine. Pas question, Obina, cela n'arrivera jamais, pas cette fois. Je peux voir que cette barbe te trempe, c'est évident. Je vais te battre. Tu n'as rien faire, mec. Oh, taisez-vous. Mais maman, où est-elle? Elle est partie parce qu'elle n'a pas pu supporter la honte que vous dégagez en sa présence.
Tu vois, c'est ta faute. Non, ce n'est ta faute à toi. J'ai dit de la fermer. N'avez-vous pas honte? Vous voulez vous entretuer à cause d'une femme? Mais maman, je l'ai vue le premier. J'ai dit de la fermer. Vous n'avez aucun scrupule. Et votre père doit se retourner dans sa tombe en ce moment. Dis Allah. Maman, je... Tu vois ce que t'as fait? Ma sœur. Tu peux le croire? Deux hommes sont en train de se battre pour Adama actuellement. Et ça, sans aucune honte. Pourquoi? Mais je croyais que le prince Ikena l'avait fait venir comme invité. Oui, bien sûr. Mais prince Obinna a été le premier à lui faire sa demande. Et c'est après qu'il ait fait sa demande que les problèmes ont commencé avec prince Ikena. Qu'en est-il de la fille en question? Ma chère sœur, elle n'a pas pu supporter de les voir se battre. Elle s'est enfuie. La pauvre fille. Mais la reine est en train d'essayer de calmer la situation actuellement. Je me demande ce que la reine peut ressentir maintenant. Les deux fils se battent pour une même fille. Ma sœur, je t'assure. Il faut que j'aille finir de faire la cuisine. Moi aussi. Obidjo. Je n'ai rien dit. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas où. Laisse-moi aller la voir. Adama? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? T'ont-il embarrassé au palais? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, les deux princes ont demandé ma main. Ça veut dire quoi, les deux princes ont demandé ta main? Maman, ils ont littéralement voulu se déchirer en présence de la reine, à cause de moi. Et que comptes-tu faire? Maman, je ne sais pas. Je suis confuse. C'est ok. Juste calme-toi. Calme-toi. Maman, au cas où l'un des deux viendrait me voir, dis-leur que je ne suis pas là. Je ne veux voir personne d'entre eux pour le moment. Je t'en prie. Ok, j'ai compris. Juste calme-toi. Hé hé! Naï, qu'est-ce qui se passe? Tu ne le croiras pas. Elle dit que les deux princes ont demandé sa main. Au même moment? Non. Qui est là? Bonjour, monsieur. Mon prince. Oui, monsieur. Bienvenue. Oh. Merci, maman. Je suis là pour voir Adama. Adama ne veut voir personne pour l'instant. Ok, je comprends. Dites-lui que je suis passé la voir, s'il vous plaît. Je le ferai. Ok, merci, monsieur. Mon prince, comment bon tu vas? Après-midi. Je vais bien, mon prince. Au revoir, monsieur. Bye. Comment vas-tu? Amakakedo, comment va ta mère? Elle va bien. Adama est là? Oui, elle est là derrière. Ok, je vais la rejoindre. Donc c'est ça? Simultanément. Tout ceci en même temps. Ah. Né, je viens de voir le prince sortir d'ici. Je veux tous les détails. Hein? Amaka, c'était une catastrophe. Vraiment? Ma chère, je suis allée au palais voir prince Ikena. Et quand j'attendais le prince Ikena, le prince couronné Obinna est sorti de nulle part. Et m'a demandé d'être sa reine. Hey! Prince Ikena l'a entendu. Et il n'a pas trouvé ça drôle du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont littéralement déchirés en la présence de la reine, juste à cause de moi. C'est très inquiétant, vu qu'il ne t'a jamais demandé de sortir avec lui. Oui. Mais d'après lui, il était sur le point de le faire. Et je crois que je l'aime bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis confuse. Je ne sais pas. Ton histoire là se complique de jour en jour. Hein? Deux princes luttent à cause de toi. Hey! Adama, la superstar. Hey! Peux-tu croire que je ramène une fille à la maison et mon frère sort de nulle part lui demander sa main? Genre, demander sa main, tu vois. Demander sa main.
Mais qui diable fait ça? Mais comment peut-il faire une chose pareille? Il a dit, entre guillemets, que j'ai demandé à la fille si elle sort avec Ikena et elle a dit non, que nous sommes juste amis. Et c'est tout. Ensuite, il lui a fait sa démonte. Qui ignore qu'il faut côtoyer une fille avant de lui avouer ses sentiments? Ça ne se fait pas. Est-ce que cela a un sens pour toi? C'est raisonnable? Attends. Et la fille en question, hein? Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle a pris peur et elle est partie du palais. Je te jure, Nonso, si je perds cette fille, à cause de mon frère, je lui donnerai une leçon que personne ne me croira capable de ça. Je sais que t'as raison. T'as vu cette fille? Tu l'as menée au palais. Donc ton frère doit faire ce qui est juste en la laissant partir. Merci. Mais vous devez résoudre cela à l'amiable. Comme une famille. C'est ça. Je ferai de mon mieux. C'est obligé. Et toi, pourquoi ne m'offres-tu pas autre chose que de la bière? Il n'y a pas de la viande. Alors c'est ça ton problème? Oui. De la viande de brousse. Je veux de la viande. Tu veux de la viande? De la viande, oui. Ok, allons-y, allons te chercher de la viande de brousse. Hein? On va où? Allons, mais allons-y, tu veux de la viande de brousse? Ouais. Allons faire un tour. Je savais que j'allais te trouver ici. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu m'aimes? Adama, c'est parce que j'avais tellement peur. Je veux dire, j'ai cru que si je te disais exactement ce que je ressens, tu ne voudrais plus me voir. Alors j'ai décidé d'être ton ami pour te prouver ma sincérité. Je suis désolé. Ma puce. Je suis tombé amoureux de toi la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi. Et je suis tellement dingue de toi. Je suis désolée. On ne peut pas faire ça. Pourquoi, mon amour? Parce que je suis vierge. Écoute, je te promets de ne jamais te faire l'amour ici. Alors tu n'as absolument rien à craindre, d'accord? J'embrasse simplement mon bébé. Relax. Je suis contente qu'on s'entende. Moi aussi. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je t'aime aussi. Oh. Viens là. Amaka, devine quoi? Quoi? Sais-tu qu'aujourd'hui je suis tellement heureuse? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai embrassé le prince Ikena. Tu es sérieuse? Je veux dire, c'était si bon. C'était comme si j'étais au paradis. Qu'est-ce qui t'arrive même? Il t'a juste embrassé, tu te comportes déjà bizarrement. Écoute, ce n'était pas juste une embrassade. C'était comment? C'était tellement spécial. Seigneur. Honnêtement, j'ai hâte d'être sa femme. Mon amie amoureuse, oh! En tout cas, félicitations, je suis contente pour toi. Merci. La future princesse. Tu sais, c'est mon prince charmant. Il a tout ce que je recherche chez un homme. J'ai compris. Pardon, laisse comme ça. Hein? Tu es en train de me mettre mal à l'aise. Tu me rends jalouse. Hein? Jalouse? Hein? Amaka, qu'est-ce que tu racontes? Et comment est-ce que tu vas faire avec Prince Obina? Bien, je ne sais pas. Écoute, il m'a l'air d'être un homme bien et je l'apprécie. Mais j'ai choisi Prince Ikena. Alors, il doit aller chercher sa propre épouse. En tout cas, Prince Obina est aussi un très bel homme. Peut-être qu'il pourrait t'épouser. Tu n'es pas sérieuse. Seigneur, je l'aime déjà. Je vois, tu l'aimes bien. D'où crois-tu venir comme ça? Bah, si tu veux vraiment savoir, je reviens juste de chez ma belle famille et devine quoi? Nous avons eu notre premier baiser. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire? Bah, tu sais, lorsque deux lèvres se rencontrent et puis... Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça! Tu crois que je rigole? Hein? Tu crois que je rigole? Tu crois que je plaisante? Attends, tu vas voir! Et que font-ils?
Et vous les regardez? Allez, laissez parler. Tu crois que je rigole? Si sort. Que sont-ils en tu train de faire? Tu crois que je plaisante? Que font-ils? Hein? Arrêtez-moi ça. J'aurais souhaité que votre père soit en vie pour voir que ces deux fils se battent pour une femme. Tu me prends pour ton copain? Non, mon prince. Tu me prends pour ton petit ami? Maintenant, vous deux, vous allez entrer. Maman, c'est ton jour de chance. Allez, va à l'intérieur. Je jure que je vais amène te tuer. Amène-les dedans. Tu ne vas rien faire. Avance. Allez, va dedans. Non, mon prince. Non, mon prince. Non, mon prince. Je me demande comment deux frères qui s'aimaient se font la bagarre à présent. Comment veut-il s'encrocher à cause d'une femme? Écoute, laisse-moi te dire. Le prince Ikena s'est tout seul mis dans les problèmes. Dis-moi, était-il nécessaire qu'il dise à son frère qu'il a embrassé Adama? Très bien que son frère serait jaloux s'il apprenait ça. Croyez-moi, les gars, s'il continue ainsi, la reine risque d'avoir une attaque cardiaque. Ce sera une grande honte pour leur père. Je me demande bien ce qui se passe dans la tête d'Obina en ce moment. La pression de se marier dans moins d'un mois. Essaie de perdre le trône au détriment de son frère. Je ne crois pas. Parce que le prince Ikana n'est pas intéressé par le trône. On ne sait jamais, les gars. Un truc peut appeler un autre. Il faut juste attendre. Croisons les doigts et on verra. Retournons à nos postes. Toi, va au portail. Toi, viens, suis-moi. Adama Biama. Dilite-moi, moi. Efemi Vao. Hey! Hey! Regarde tout ceci. Tout ceci pour nous. Hey! Plus vite, dépêchez-vous avec les ignames. Oui, Mazianduka, ce n'est que le début. Tout ceci pour nous. Ouais, tout ça et on aura plus. Incroyable. Mazinduka. Oui. Comment vous sentirez-vous si vous devenez le père de la reine du royaume d'Awoma? Êtes-vous en train de me poser la question? Je serais vraiment très ravi. Quand est-ce que cela arrivera? Je suis très impatient. Vous êtes un homme très sage, Mazinduka. Vous savez que je serai couronné le roi dans 3 semaines. Et j'aimerais qu'Adama soit ma reine. Hey! Hein? Oh, 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 oh. Hein? Hein? Non. Oui. Ok. Après tout ça, viendra bien plus de choses. Je suis vraiment très impatient. Naï. Hein? Hey! Korya, le Korya d'Emma. Merci infiniment. Oui, voilà, Mazinduka. J'aimerais que vous l'utilisiez pour prendre soin de vous et aussi de ma jolie reine. Ok. Merci infiniment, mon prince. On devrait peut-être vous appeler mon gendre. Comment est-ce que. Je dois y aller maintenant. Je dois y aller. Je le lui dirai. D'accord, Mazé. Hey. Au revoir. Merci d'être venu, oh. D'accord. Quoi? Bye. Au revoir. Qu'il vous conduise prudemment. Ngwa, décide-la. Hein? Hein? Où ça tu vas, bébé? Hein? Hein? Bye. Hey. Bye, je vais aller quoi? Oh, Niawa. Non quoi? Papa. Papa, tu ferais mieux de retourner tous ces cadeaux. Papa, j'ai choisi Prince Ikena. Je ne vais pas épouser Prince Obinao. Tu veux bien la fermer? Amawa et Biginé Tafo. Que sais-tu de l'amour? Hein? Tu jacasses, Ngozi.
Parle à ta fille. Parle à ta fille parce que moi j'ai pris une décision. Adam, ton père a raison. Pense à tout le respect et la considération qu'on aura dans ce monde quand tu deviendras reine. Donc comme ça, il s'agit de votre propre intérêt. Et ferme-la, ferme-la. Ferme-la maintenant. Tu n'as donc plus aucune crainte. Hé, j'ai déjà pris ma décision finale et elle devra rester ainsi. Papa, je n'épouserai pas le prince Obina. Je ne l'épouserai pas. Hey. Je n'épouserai plus aucun prince. Tu l'épouseras et ce sera ainsi parce que je l'ai décidé. Et nous si Aniago. Oh. Tu peux le croire. Amaka, je ne comprends juste pas. Je ne sais pas pourquoi ils m'obligent à épouser le prince Obina. Juste à cause de leur intérêt personnel. Mais tu sais bien que tout ce qui intéresse tes parents, c'est ton bonheur. Et c'est normal. Eh bien, s'ils voulaient le meilleur pour moi, ils m'auraient laissé suivre mon cœur. Calme-toi d'abord. Hein? Essaye de réfléchir. Pense-y, et puis... oublie l'amour. As-tu une idée de ce que tu pourras gagner si tu deviens la reine? Toi aussi. Mais tu sais bien que ce que je te dis est vrai. Hein? Personne d'autre ne va te dire la vérité à part moi. Mais Amaka, tu sais que j'aime le prince Ikena. Tu sais que je l'aime plus. Il y a des moments où l'amour seul ne suffit pas. Et tu le sais. Entrez. Oh, bonjour, maman. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, et toi, maman? Je vais bien, fiston. Je suis venue te dire que le dîner sera prêt vers 19h ce soir. Maman, je ne suis pas intéressée. Je peux pas m'asseoir dans la même table avec un traître. Oh, allez, arrête de traiter ton frère de traître. C'est ton frère. Le dîner sera prêt à 19h et j'insiste que tu sois sur cette table vers 19h. Assez de tout ça, s'il te plaît. Je vous salue, mon prince. Adama, comment tu vas? Je vais bien, merci. Où va la future reine du royaume de Moma avec un bidon sous ce soleil ardent? Premièrement, je ne suis pas la future reine du royaume d'Amoma. Et je vais à la rivière recueillir de l'eau pour ma mère. Tu es la future reine de ce grand royaume. Parce que je t'aime énormément. Et tes parents m'ont donné leur bénédiction. Donc il est grand temps que tu commences à agir comme une reine que tu es, ok? Si ça te dérange pas, entre dans la voiture que je te dépose. Mais je dois encore recueillir de l'eau pour ma mère. C'est bon, mes gardes le feront. Garde, vous pourriez prenez le bidon et mettez-le dans la malle. Et faites-le entrer. D'accord, mon prince. Dépêchez-vous.